Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir comment rédiger et réussir un mémoire professionnel. Alors, un mémoire professionnel, la particularité, comme son nom l'indique, c'est que c'est un mémoire qui a une dominante professionnelle. Professionnelle, donc un mémoire terrain, un mémoire qui est censé s'adresser à la profession, au métier, à l'entreprise, à la structure, versus un mémoire de recherche qui sera beaucoup plus théorique, qui visera davantage à faire progresser la discipline dans laquelle s'inscrit ce mémoire, alors qu'un mémoire professionnel, on va s'orienter davantage sur la structure. Donc, qui dit professionnel dit synthétique, dit concis. Les décisionnaires en entreprise, les chefs d'entreprise, ne lisent pas des romans pour prendre une décision. Certes, ils font des recherches, ils tâchent de les recouper, mais il faut vraiment aller droit au but. Donc, c'est un mémoire qui généralement sera beaucoup plus concis, 30-50 pages en fonction du niveau d'études. Hein. 30 pages plutôt pour un mémoire de licence, 50 plutôt pour un mémoire de Master 2. Mais on va éviter de s'étaler au-delà de 80 pages pour un mémoire professionnel ou pour un mémoire